Ils l'ont essayé et adopté. Le masque en tissu s'est imposé auprès d'un grand nombre de Français qui ont du mal aujourd'hui à entendre que certains de ces masques ne sont plus aux normes face à l'arrivée de variants du coronavirus. Je suis hyper partisane du masque en tissu parce qu'on ne va pas le retrouver par terre et que je pense que si on fait attention, qu'on le lave régulièrement et qu'on ne se colle pas aux autres personnes, il fait quand même le job. Hein. Pour le moment, moi je garde des masques en tissu qui sont lavables, écologiques. Personnellement, je respire beaucoup mieux. Pour moi, c'est beaucoup plus simple et je préfère le masque en tissu. Le masque chirurgical me donne des boutons. Les masques en tissu qui peuvent être lavés jusqu'à 60 fois sont aussi moins chers à l'usage. Je les lave régulièrement, j'en ai 5-6 sur moi, donc c'est beaucoup plus économique. Est-ce qu'il y a un autre critère, c'est vrai, c'est le prix, mais donc, est-ce que le prix est plus important que la santé? Seuls les masques en tissu de fabrication artisanale ne présentent pas toutes les garanties. Ceux qui sont vendus avec la norme AFNOR de catégorie 1 filtrent 90% des particules et sont donc aussi efficaces qu'un masque chirurgical.